Quand un catholique me dit, Monseigneur, je voulais ouvrir une boutique, j'en ai les moyens, mais finalement j'y ai renoncé. Ah, pourquoi vous y avez renoncé? Parce que Jésus a dit, heureux les pauvres. Inculquez-nous une culture d'entreprise au niveau des catholiques. Nous savons que dans notre foi, nous sommes aussi ouverts à d'autres sensibilités, à d'autres croyances. Dans la richesse de nos différences, fais-nous avancer avec respect et estime les uns pour les autres. Nous te le demandons à toi, le Dieu vivant, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mot de bienvenue. Nous réjouir de la présence parmi nous d'une forte délégation étrangère d'associations sœurs venues du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Nous vous souhaitons la bienvenue. Du Cap-Vert au Sénégal. Monsieur Mormbaye, du ministère du pétrole et des énergies, Madame, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le président de l'UNIAPAC et Madame, Monsieur le président de l'ADEX, Madame, Messieurs, en vos rangs graves et qualités, cher frère Paul Amadou Lamine Sall. Entrepreneur chrétien, quel rôle dans le développement économique du Sénégal? Voilà un thème interpellant à différents niveaux. D'abord, à la lumière de la révélation, et je remercie M. Ayé pour la pertinence de son propos, truffé de références bibliques très pertinentes, à la lumière donc de la révélation, c'est un appel à répondre au devoir d'engagement et de rentabilité. Je le dis en pensant à la parabole des talents qu'on trouve en Matthieu 25. Le Seigneur a donné à chacun d'entre nous des talents selon ses capacités, avec la mission de les rentabiliser. Saint Luc, dans sa version, veut d'ailleurs jouer le justicier. Tout le monde a reçu le même pactole au départ. Mais Saint Matthieu insiste sur le fait que les dons sont adaptés aux aptitudes. Mais il y a un devoir d'agir pour être rentable. Jésus nous a appris dans le Notre Père à dire que ta volonté soit faite. Mais qui doit faire la volonté? On dit c'est Dieu. Alors nous allons croiser les bras? Non. C'est vrai. Jésus lui-même à Gethsémani, au plus fort de son agonie, dit « Père,
Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il y a une adhésion à ce que Dieu veut, mais cela appelle de ma part aussi un engagement concret. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on va entrer dans le royaume, mais en faisant la volonté de mon Père. Un jour, Jésus est en train de prêcher, on lui dit, il y a ta mère, tes frères et sœurs qui sont là, qui veulent te parler. Qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Celui qui fait la volonté de mon Père. Il y a donc un devoir de rentabilité. Ce que nous avons reçu, nous devons le mettre en valeur. Nous avons des documents qui peuvent nous y aider. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique. Et je pense à l'exhortation apostolique du pape Benoît XVI, Africae Munus, à la suite du deuxième synode africain sur la société africaine. Je pense aussi localement à l'anthologie des lettres pastorales des évêques du Sénégal qui ont été compilées par Mgr Jean-Noël Diouf. Et jusqu'à aujourd'hui, les exhortations ne manquent pas. La dernière lettre pastorale que nous avons écrite, nous évêques du Sénégal, portait sur l'émigration clandestine. Connaissons un contexte sénégalais avec une grande effervescence politique, sociale, avec ses incidences sur le plan culturel, économique. Des menaces réelles sont là. Et je suis très heureux que Amadou nous ait rappelé les fondements posés par Léopold Sédar Senghor pour une nation qui jusqu'à présent résiste. Mais jusqu'à quand? Si nous ne nous impliquons pas pour défendre l'héritage. Il y a des défis, ils sont nombreux. Me tourner en brousse m'ont rendu sensible au fait que nous devons beaucoup nous engager dans la promotion d'une écologie verte. J'ai été la semaine dernière pour réceptionner 140 000 plants qui ont été commandés par Caritas Dakar pour pouvoir organiser un reboisement. Et on voudrait y impliquer nos différentes paroisses. J'ai eu l'occasion de visiter des périmètres de production maraîchère qui sont faits par les femmes dans les différents villages. Mais cela demande encore à être mieux organisé. Je rappelle toujours à mon directeur de Caritas que c'est vrai, il y a la zone rurale, mais combien de populations sont en difficulté dans notre banlieue qui ne cesse pas de s'étendre avec tous ces défis. Chers amis, vous êtes réunis. Inculquez-nous une culture d'entreprise au niveau des catholiques. Quand un catholique me dit, Monseigneur, je voulais ouvrir une boutique, j'en ai les moyens, mais finalement j'y ai renoncé. Ah, pourquoi vous y avez renoncé? Parce que Jésus a dit, heureux les pauvres. Alors, quelle compréhension nous avons de la parole de Dieu? Quelle actualisation nous devons faire pour nous libérer de mauvaises compréhensions qui peuvent nous enchaîner? Par ailleurs, Amadou nous a montré l'importance dans le leadership, dans la pensée. J'ai eu à interpeller les nombreux chrétiens qui sont à l'université Cheikh Anta Diop et dans d'autres universités. Il n'est pas normal qu'une année se passe sans que nos intellectuels catholiques ne se réunissent pour réfléchir. Mais où va notre pays? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui peut en être le moteur? Ce que nous devons viser dans tous les cas, chers amis, c'est le développement intégral de l'homme et de la femme sénégalaise aujourd'hui. Merci.
Thank you.